Bien, bonsoir à toutes et à tous pour ces rendez-vous de l'orientation des L3. Il me revient la tâche de vous présenter le plus petit département de l'Université Paris-Dauphine, à savoir l'Institut pratique du journalisme. Donc, j'appuie sur le bouton vert. Voici, voilà. Alors, qu'est-ce que l'Institut pratique du journalisme? Eh bien, c'est un master cylindré en 2 ans. Ça veut dire que vous n'avez pas d'accès en M2, mais la formation est bien calibrée sur ces 2 années. Et c'est un diplôme qui est agréé par la profession depuis 1991. Il faut savoir que le métier de journaliste est encadré par la détention d'une carte de presse. Et donc, cette carte de presse est obtenue à l'issue de l'Institut au moment où vous intégrez la profession. Un modèle de formation pratique et opérationnel qui se poursuit donc la première année, grosso modo, un tronc commun. On aborde l'ensemble des médias, le digital, la radio, la télévision. Et ensuite, en M2, on va sur des parcours de spécialisation. Donc, 3 parcours en M2. Donc, un parcours de journalisme international et européen. Donc là, c'est Nicolas Hénin, qui est un grand reporter, qui a beaucoup travaillé en Syrie et d'ailleurs qui a été l'invité bien involontaire de Daesh pendant 1 an également, qui est un de nos anciens. Un parcours journalisme économique et social, d'où est sorti François-Xavier Pietri, qui est le patron du service économique de TF1. Un parcours journalisme politique qu'a suivi Elisabeth Pinault, journaliste à Reuters et présidente de l'Association des journalistes politiques. Parallèlement à ça, des spécialisations de professionnalisantes, donc journalisme de télévision, écriture numérique et journalisme radio. Donc nos débouchés, c'est vraiment tous les métiers du journalisme. Ça, ce sont quelques-uns de nos autres anciens. Donc voilà, vous voyez que le journalisme mène soit à l'antenne, soit à des métiers un peu connexes. Voilà. Parmi les gens que vous pourriez ne pas reconnaître, en bas, Cécile Mégy, c'est la patronne de Radio France internationale. Et bon, sinon, les autres, je pense que, voein, selon si vous regardez beIN Sport, vous avez sans doute reconnu Smaïl Bouabdella, qui est donc un de nos présentateurs. Et la présentatrice du 12-13, donc deux ans après sa sortie de l'Institut, qui a pris les commandes du soir 3 à l'heure du déjeuner, donc Émilie Tran Nguyen. Donc voilà, l'accès se fait par concours, les épreuves qui vont avoir lieu le dimanche 14 avril. Grosso modo, le master cylindré offre 48 places en première année. Il y a eu 750 candidats en 2017, donc des épreuves d'admissibilité en avril et des épreuves d'admission en juin. On a, certains d'entre vous suivent peut-être ce parcours, aussi un certificat médias et journalisme en licence de la première à la troisième année de licence, dont un des débouchés est notre institut. Voilà. Les spécificités de la formation, une formation par apprentissage avec des médias publics, à savoir France Télévisions, Radio France ou l'AFP, un tiers de nos étudiants à peu près, suivent ce parcours-là. Évidemment, un haut taux d'insertion professionnelle. Pour vous dire, il y a à peu près 120 formations au journalisme en France. 14 établissements sont des établissements agréés. Cette année, le classement d'étudiants nous a placés premiers sur ces 120 établissements. Donc, des perspectives d'insertion professionnelle très importantes. Et aussi la possibilité de faire une année de césure en spécialisation avec des établissements de PSL ou d'autres établissements internationaux. On a actuellement des césures en cours à l'École normale supérieure, aux arts décoratifs ou au Conservatoire national supérieur d'art dramatique. Et les médias qui sont là indiqués sont des médias qui, durant l'année de master, publient des travaux de nos étudiants. Donc voilà pour ce qui concernait l'Institut pratique du journalisme. Et donc on va parler de Mido maintenant. Bonsoir. Donc je vais vous présenter assez brièvement l'offre master en Mido, maths informatique. Je dis assez brièvement parce que je me doute bien que la plupart d'entre vous êtes là plutôt pour écouter l'offre MSO et c'est statistiquement raisonnable.
Je vous invite, pour ceux qui sont intéressés par les maths et l'info, à aller dans les conférences spécifiques tout à l'heure où vous pourrez poser toutes vos questions. Donc, Mido, essentiellement, c'est assez facile à comprendre. Il y a deux mentions de master, hein, simplement deux mentions de master, un master en maths et un master en info. Donc, l'offre 2019-2024, hein, parce qu'on travaille sur un rythme de 5 ans, qui va commencer en 2019, est une offre qui est assez proche de ce qu'on a eu jusqu'à présent. Hein, donc, pour ceux d'entre vous qui sont en L3, vous ne verrez pas de révolution. Néanmoins, elle poursuit la co-construction de ce qu'on appelle PSL, hein, Paris Sciences et Lettres. Et donc, les masters Mido, maths et info, sont des masters PSL qui ont été co-construits avec nos partenaires. Et le partenaire principal en maths, c'est l'ENS, et en info aussi. Alors, en maths, le master 1 propose trois parcours, en fait, deux pour de vrai. Hein, il y en a un qui est spécifique à l'ENS, hein, donc c'est deux parcours. Un parcours de maths appliquées et un autre parcours qu'on appelle maths approfondies, qui est essentiellement réservé aussi aux maths appliquées, mais qui est, disons, un peu plus exigeant, avec une offre vers des cours, disons, plus généraux, notamment si on est intéressé par rejoindre des écoles ou des établissements comme ça. Alors, dans ces parcours, on apprend les grandes voies de maths appliquées qui vont déboucher sur statistiques, sciences des données, actuariat, assurance, finance. Mais je parle bien sûr par assurance-finance, je parle assurance-finance sous l'angle des maths. Hein. Bon, la spécialisation, comme toujours, se fait réellement en M2. Tous les parcours de M1 peuvent conduire à tous les parcours de M2, hein, j'insiste là-dessus. Les parcours de M2, vous avez d'une part le parcours maths, mathématiques appliquées théoriques, qui est, lui, plutôt destiné à la recherche, des gens qui envisagent de faire une thèse. MASEF, ça c'est maths appliquées, maths finance. Actuaria, hein, c'est les maths de l'assurance, avec le diplôme spécifique d'actuaire, hein, qui Paris Dauphine fait partie d'un des 5 établissements d'enseignement supérieur qui propose le titre d'actuaire, hein, en convention avec l'Institut des actuaires. MASH, c'est le master de maths de sciences des données, hein, mathématiques, apprentissage et sciences humaines, et ISF, donc statistiques et ingénierie financière. Voilà. Je ne vais pas les décrire précisément, vous aurez tous les détails dans les conférences. En informatique, là encore, on a une offre classique pour Dauphine et qui évolue avec la demande croissante de l'ouverture vers la science des données et l'intelligence artificielle. Donc vous avez en M1 les deux parcours phares qui sont d'abord la MIAGE, hein, donc classique, hein, qui a fait la reconnaissance de l'informatique à Dauphine, et vous avez le parcours informatique, décision et données, hein, qui se spécialise plus vers les autres aspects de l'informatique. En M2, vous avez toujours MIAGE, hein, avec des parcours un peu spécialisés, plus vers la finance, l'informatique décisionnelle, les systèmes d'information. Et vous avez les deux parcours qui permettent d'aller aussi vers la recherche, qui sont ce qu'on appelle IASD, Intelligence Artificielle, Systèmes et Données, et MODO, qui est un parcours plus classique d'optimisation et d'informatique de la décision. En conclusion, l'offre en maths et en informatique est extrêmement diversifiée. Elle vous permet d'aller vers des métiers très appliqués, hein, donc immédiatement après le M2, des débouchés professionnels qui sont tout à fait garantis. Hein, la réalité, c'est qu'actuellement, avec un master d'info ou de maths appliquées, on a tout de suite du boulot. Hein, c'est-à-dire que c'est même plusieurs offres. Hein, enfin, le marché est extrêmement demandeur, hein, donc il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Par ailleurs, si vous avez une vision à plus long terme, que vous êtes intéressé, sans être sûr, bien sûr, par la recherche, par un doctorat, quand je dis un doctorat, vous savez, le doctorat, ça devient le PhD, c'est un standard qui est en train de c'est un standard international. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes condamné, comme nous, à devenir des pauvres professeurs d'université. Si, ce que je dis est valable aussi pour un PhD, c'est aussi quelque chose qui peut vous ouvrir vers tous les métiers, du privé. Hein. D'accord. Donc, vous aurez cette offre en Mido.
Voilà. Bon, j'en dis pas plus. Vous aurez les conférences de nos responsables de M1 tout à l'heure et je passe la parole à Denis Darpy. Voilà, c'est le test. Donc, sur les 10 minutes avant de l'ouverture des grandes conférences, mention de master par mention de master, je vais vous présenter rapidement la proposition du master sciences des organisations, donc le département MSO. Le département MSO, c'est avant tout... Voilà. Département MSO, c'est quatre grandes disciplines. Alors, j'ai simplifié par discipline puisque vous êtes actuellement en licence de mathématiques informatiques, licence d'économie, licence de gestion, licence de droit. Donc j'ai repris ce découpage pour signaler les différents masters qui pouvaient correspondre à vos cursus d'origine. Donc en sciences économiques, bien sûr, on a quatre masters, affaires internationales et développement, économie et gestion de la santé, économie et finances et quantitative economics. Vous avez bien noté que c'est une séparation par discipline qui est un peu artificielle, comme toutes les séparations ou catégorisations, puisque quand on parle d'économie et gestion de la santé, on parle de gestion. Quand on parle d'économie et finances, finance est également de la gestion. Donc ce sont des tonalités, ce sont des facettes plus économiques de tel ou tel travail sur les organisations. Je rappelle, un Dauphine, c'est du management, des organisations et de la décision. Également, en master sciences sociales, vous avez un nouveau master qui est le master politique publique, qui s'intéresse à l'évaluation des politiques publiques, qui s'intéresse aux villes, qui s'intéresse à la responsabilité sociale et comment faire évoluer les politiques publiques. Donc toujours un œil sur les organisations par les sciences sociales. Sciences économiques et sociales qui étudient, bien sûr, également la transformation organisationnelle des organisations et l'impact sur l'économie. En sciences de gestion, il y a le master finance, le master comptabilité contrôle audit, master contrôle audit reporting financier. Donc ces deux derniers, c'est si vous avez un choix vers le contrôle de gestion en grand, ou bien l'interaction ou l'intersection entre comptabilité et finance, management des ressources humaines, management de l'organisation, management de l'innovation, qui sont le cœur du management vu par différentes facettes, marketing et stratégie, système d'information, réseau et numérique et gestion du patrimoine. Je signale que système d'information, réseau et numérique, c'est un nouveau master qui prend en compte justement la transformation digitale de la société. Et le master droit qui s'enrichit cette année de parcours affaires publiques et gestion publique pour regarder par le droit la gestion des organisations et aussi bien privées que publiques. Donc, parmi les nouveautés et toutes les conférences que vous allez avoir dans les 3 heures qui viennent pourront vous apporter plus de détails. Le master système d'information et réseau numérique, comme je l'indiquais il y a quelques secondes, il s'agit d'un master qui relie les systèmes d'information, les réseaux, les numériques et qui regarde le management et la transformation digitale de la société, aussi bien par les médias, par l'audit des systèmes d'information, par la compréhension des modèles économiques liés au numérique. Le Master Management de l'Innovation, qui est en partenariat avec l'École des Mines, donc c'est un master PSL, c'est un master qui regarde l'innovation, aussi bien de la part du management, mais également ingénieurs, et comment on fait le pont entre les deux. Le Master Politique Publique est une évolution du master APRS, qui existe déjà. C'est un master, comme l'indiqué plus tôt, qui est clairement orienté vers les politiques publiques, comment les organisations prennent en compte ces politiques. Et Quantitative Economics, ou Économie Quantitative, est un nouveau master d'économie quantitative, donc résolument quantitative, qui s'oriente aussi bien vers l'analyse ou sur les aspects digital economy que sur les aspects recherche pour poursuivre en doctorat ensuite. Alors, quelques informations sur le calendrier de candidature, puisque je crois que c'est également parmi les questions qui sont importantes pour vous. Toutes les formations, sauf le master droit qui a un calendrier différent,
C'est du 29 janvier au 12 mars 2019. Je pense que vous aurez toute l'information nécessaire sur le fonctionnement de la plateforme de candidature en ligne qui sera ouverte du 29 janvier au 12 mars 2019. J'insiste bien, c'est 12 mars 2019, 23h59. Vous aurez plein d'informations encore d'ici là, mais surtout, ne vous connectez pas tous le 12 mars à 23h59. Notre direction numérique met en place toutes les possibilités pour s'assurer qu'il n'y ait aucun problème. Mais quand vous avez 20 000 connexions avec des pièces de 5, 10 mégas à chaque fois en même temps, ça risque d'être un problème. Donc préparez vos dossiers à l'avance. Pour le master droit, si vous êtes en alternance, et je pense notamment à ce qui est droit du patrimoine et également affaires publiques, c'est du 29 janvier au 12 mars. Pour les autres formations et les autres filières majeures du master droit, c'est du 7 au 29 mai. Alors, comment cela va s'organiser? Vous aurez trois vœux à exprimer, trois vœux qui seront ordonnés. Désolé pour le E en trop, mais c'est l'égalité. Le E en trop pour ordonner, trois vœux ordonnés. Donc, premier vœu, par exemple, finance. Deuxième vœu, comptabilité, audit, reporting. Troisième vœu, gestion du patrimoine, par exemple. Et un vœu rassemble formation initiale et apprentissage. Par exemple, si vous demandez finance et que vous souhaitez l'apprentissage, vous allez expliquer que je veux finance, formation, apprentissage de préférence. C'est-à-dire qu'on va étudier d'abord votre dossier sur la formation apprentissage. Et ensuite, on regardera également votre dossier formation initiale si votre dossier n'est pas retenu pour la modalité apprentissage. Donc, initial et apprentissage, c'est un seul vœu. Ensuite, il y a étude du dossier et ou entretien. C'est selon les différents masters et les mentions de master. Certains étudient uniquement sur le dossier, d'autres systématiquement avec un entretien. Si vous choisissez la modalité apprentissage, systématiquement, il y aura un entretien. On vous proposera également de réaliser une vidéo pour appuyer vos vœux 2 et 3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez remplir un dossier pour votre vœu 1, qui ne sera peut-être pas retenu, mais ce qui nous intéresse, c'est également de connaître votre motivation par rapport au vœu 2 et 3. Quelquefois, le vœu 2 est un vœu 1 bis. Donc, comprendre, si jamais vous n'étiez pas retenu sur le vœu 1, pourquoi devrions-nous étudier avec attention votre candidature en vœu 2, même si ce n'est qu'un vœu 2? C'est-à-dire que montrer que c'est un vœu important pour vous. Les commissions d'études de dossier veulent regarder votre réelle motivation et regardent la personnalité, regardent le dossier scolaire. C'est une approche assez holistique du dossier. Il y a ensuite des prérequis ou des spécificités en finance et en affaires internationales et développement. Là, je vous encourage à regarder spécifiquement chaque demande pour chacun des parcours. Alors, je vais conclure avec un certain nombre d'éléments de prévention. Vous êtes des étudiants dauphinois, on vous aime, on a envie que vous restiez avec nous. Donc ça, c'est le premier point. L'année dernière, sur 95% de nos étudiants qui viennent de Dauphine étaient en L3. Pas 95%, mais 95% des dauphinois admis étaient en L3. C'est un très fort taux de passage de la licence au master. Prévoyez que votre candidature soit argumentée et solide. Choisissez ce qui vous fait plaisir. Lorsque vous allez défendre votre dossier, choisissez quelque chose qui vous fait plaisir. Pourquoi vous le voulez? Dans quel but? Soyez capable vraiment d'argumenter et d'être engagé dans votre candidature. Une candidature, c'est en lien avec vos expériences, votre personnalité, votre projet, même flou. Oui, vous êtes actuellement en premier semestre de votre troisième année de licence. Vous ne savez pas exactement ce que vous allez faire dans 3 ans. Et c'est tout naturel, on le comprend. Simplement, commencez à réfléchir les directions dans lesquelles vous allez. Et si vous avez plusieurs projets, essayez de faire en sorte qu'ils soient cohérents et compatibles entre eux. Donc c'est important. Il faut également s'entraîner pour l'entretien oral. On a constaté que les étudiants de Dauphine, par rapport à des candidatures extérieures, n'étaient pas toujours aussi bien entraînés pour développer vos candidatures. Entraînez-vous, parlez devant une glace, parlez avec vos amis, essayez d'être vraiment convaincant et à l'aise. C'est important parce que c'est des éléments qui vont être comptés, qui vont être pris en compte dans votre projet. Et ensuite,
même si 95% d'entre vous, vous aurez une place à Dauphine, je vous encourage quand même de postuler dans les universités franciliennes qui ont d'excellentes formations pour vous assurer que si vous n'avez pas Dauphine, que vous ayez une poursuite d'études. C'est important, on le répète chaque année, mais c'est vraiment important. On fait tout et on vous aime et vous serez très, très, très probablement à Dauphine l'année prochaine. Mais prévoyez le cas où vous n'êtes pas présent. Voilà un peu les éléments qu'on voulait passer comme information ce soir par rapport en général hein, sur les formations et les différents départements. Les séances qui ont lieu dans les différents amphis vont pouvoir vous permettre de comprendre un petit peu plus les programmes. Également, je crois qu'il y a des étudiants des différents masters qui sont présents sur les différents stands qui vous permettront également de vous expliquer ce que l'on fait, ce qui est attendu dans les différents programmes de master. Merci.